Casinext est une application non séquentielle, c'est-à-dire que vous pouvez éditer ou présenter sans que les éléments se suivent dans un ordre chronologique, comme dans un logiciel de type PowerPoint par exemple. Ici, je suis dans le menu Édition, et si je veux éditer par exemple la dernière partie présentée comme un pro, eh bien je peux aller directement dans les pages qui concernent cette partie de ma présentation, donc je ne suis pas obligé de passer par l'introduction, etc. Je peux entrer dans la présentation par la partie qui m'intéresse. Même chose en présentation. Donc j'ai une présentation avec un chemin que j'ai préétabli, et donc je peux suivre ce chemin depuis l'introduction jusqu'à la présentation comme un pro, mais je peux aussi décider par exemple de ne parler que de l'importation, de l'exportation, et à ce moment-là, me diriger directement vers la partie concernée. Il suffit que je clique sur le fond pour revenir à la vue d'ensemble. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante à la fin d'une conférence, par exemple, lors d'une session de questions et réponses. Eh bien, vous pouvez revenir directement vers la partie de la présentation qui concerne la réponse que l'on vous a posée pour illustrer directement le sujet sans devoir chercher, sans devoir passer par une série de diapositives qui n'ont rien à voir.